Le Highlight est en ligne, girl! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à attacher votre foulard et je vais aussi vous apprendre à les fabriquer vous-même. Donc moi, j'ai ma méthode. Après, il existe plusieurs méthodes. Donc j'ai beaucoup de chutes de tissus qui me restent en wax parce que j'adore les tissus africains. Wakanda forever. Eh, c'est mort, Black Panther, ça nous a... Et c'est parti, je vous montre les tissus. Donc j'ai celui-ci, voilà, et ça traîne depuis bien longtemps chez moi. Donc il est temps de faire quelque chose avec. J'ai celui-ci en rose, il est canon. Et pour l'été, les couleurs comme ça, c'est magnifique, ma chérie, c'est magnifique. Celui-là en plus, ça date que je l'ai parce que c'était quand j'habitais encore en Guadeloupe, donc... Ça date bien de plus de 5 ans. Celui-ci aussi, parce que c'était ma première année de BTS où je l'ai acheté. J'avais un projet et du coup j'avais acheté ce tissu très très coloré. Et du coup il me restait des chutes, donc on va faire quelque chose avec. Je vais fermer ça parce que là, les seins commencent à se détendre, à vouloir sortir. Ouais. Alors, et j'ai aussi celui-ci, je l'ai acheté avec une copine. On a toutes les deux le même. On a acheté celui-ci en vert et aussi celui-ci. Celui-ci est vraiment joli. Donc là, je vais vous montrer comment je les coupe, à quelle longueur je les coupe pour pouvoir attacher comme ceci. Je vais vous montrer aussi d'autres techniques. Donc c'est parti! Désolée, j'avais pas assez de place pour tout vous filmer sur une table bien au propre, donc j'ai tout mis sur le lit. Donc du coup, je vais vous donner les mesures qu'il vous faut pour faire chacun des modèles que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo. Ce modèle, il existe du coup dans la vidéo, vous allez le voir en deux couleurs. C'est un rectangle de 60 sur 180. Ensuite, il y a le carré en fait que j'ai replié pour faire un triangle. Comme vous voyez, il a été replié. Donc c'est un carré de 75 sur 75 cm. Ensuite, on a les deux bandes. Donc j'ai une première bande avec le tissu rose qui fait 1m10 sur 20 cm de largeur. Et ensuite, j'ai la deuxième bande donc qui fait 120 sur 10 cm. Donc voilà. Donc avec tout ça, vous obtenez différents foulards pour faire différents styles que vous allez voir dans la vidéo. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est un ourlet pour vraiment faire une finition quand même propre des bords. Donc je vais venir comme ça plier une première fois et une deuxième fois, environ 1 cm, et là je vais faire mon ourlet. Alors l'ourlet, vous le faites bien sur l'envers du tissu. C'est parti, je vous montre la première manière d'attacher. Vous prenez donc le tissu qu'on a coupé en carré. Là, vous pliez donc votre carré comme je vous ai montré tout à l'heure en deux. Le sommet du carré, vous le placez au milieu de votre front. Et là, vous allez venir attacher les deux côtés. Voilà, assurez-vous que tout est bien en place, comme ceci. Alors, une fois que tout est bien en place, on va prendre du coup le sommet du triangle. On va venir le rabattre juste au milieu des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir le maintenir en faisant des nœuds avec chaque côté. Donc là, vous faites des nœuds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de tissu pour en faire. Donc voilà, vous mettez tout en place. Et c'est parti. Donc maintenant, vous vous assurez que tout est bien en place. Et là, vous faites tout rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et vous arrangez vos cheveux, vous regardez s'il n'y a pas des petits bouts de tissu qui dépassent un petit peu, vous les refaites rentrer à l'intérieur pour bien que tout soit en place. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça accessoirise très bien une tenue, comme ça accessoirise très très bien aussi une coiffure. Donc voilà. Donc là on passe au bandeau. On va venir le mettre juste derrière. Et là on va venir faire un premier nœud. Ne serrez pas non plus trop votre tête parce que c'est pas nécessaire et ça va vous faire mal pour rien. Donc là, vous allez venir faire un nœud, un joli nœud en fait, comme ceci. Et après, on va venir l'arranger qui dépasse. Donc là, vous l'arrangez bien pour faire un joli nœud.
Et là, le petit bout qui dépasse, on va juste venir le rentrer juste en dessous. Donc là, on passe à la troisième manière d'attacher, donc avec l'autre bandeau rose que j'adore, il est super bien. J'adore la matière et j'adore les motifs dessus. Donc là, vous allez venir l'attacher donc juste derrière, comme ceci. Au milieu, devant, vous allez venir faire plein de nœuds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour en faire. Et là, on va tout simplement le rentrer sur le côté, à l'intérieur, devant. Donc vous arrangez un petit peu derrière, comme ceci. Et là, vous faites bien rentrer devant. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est super mignon. Alors, on passe à la quatrième manière d'attacher. Là, vous venez tout simplement prendre le milieu de votre rectangle, vous le placez comme ceci sur votre tête, et là, on va venir faire un nœud. Voilà, comme ceci, vous arrangez bien, vous serrez quand même un petit peu. Pas trop, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour être ligoté, hein. Donc là, vous venez faire des twists, comme ceci. On twist, et là, on vient juste le placer comme ceci sur le côté. Voilà, le rentrer à l'intérieur et c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est parti, la cinquième manière d'attacher votre foulard. Vous le placez comme on vient de le placer tout de suite en fait. Précédemment, là vous le placez et vous refaites un nœud comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop, donc là vous serrez. Et là, on va venir twister, mais avec les deux ensemble. Donc en fait, ça, c'est la première manière que vous m'avez vu en fait porter au tout début de la vidéo avec le foulard bleu. Et en fait, ici, vous allez venir tourner comme un petit escargot tout autour, voilà, et le coincer à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez le porter soit derrière, en mode West Coast, you know, soit vous pouvez le retourner et le porter devant. Voilà, voilà. Donc là, j'ai pas trop bien arrangé, hein, désolé. Mais voilà, vous pouvez le porter dans les deux sens. Donc là, la sixième manière d'attacher, c'est parti. Donc vous attachez encore une fois en mode West Coast. Donc derrière, comme ça. Voilà, vous arrangez un petit peu devant. Et là, on va venir twister, comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, on va venir les croiser. Vous voyez, vous les tournez comme ça. Donc ça va former un petit, un petit croisement tout au-dessus de votre tête. Et là, vous venez les bloquer derrière. Donc voilà, c'est super simple. Et au moins, ça habille votre coiffure. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Ocean Eleven Style. J'ai aussi un profil Instagram où je poste pas mal de looks. Donc si tu as le temps d'aller fouiller un peu, tu peux aller voir le petit profil. Ocean Eleven Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.